Bonsoir et bienvenue au sixième rendez-vous Pan québécois. Et oui, nous y sommes enfin. Pour plusieurs jeunes du secondaire, ça fait déjà un an qu'ils attendent ce moment avec impatience et je les comprends. Imaginez-vous un instant, près de 1000 jeunes provenant de partout à travers le Québec viennent ici pendant 4 jours en Mauricie pour partager leur passion qu'ils ont pour la scène. Et ces jeunes, eh bien, ce sont tous les gagnants qui ont remporté leur finale locale ainsi que leur finale régionale de secondaire en spectacle. Donc ce soir, vous allez assister au meilleur numéro au Québec dans les catégories interprétation, danse et expression corporelle, ainsi qu'auteur, compositeur, interprète. Juste d'y penser, j'en ai des frissons, alors sans plus attendre, je vous présente tout de suite le plus grand spectacle amateur au Québec. Tu vas passer dans quelques instants. Est-ce que t'es un petit peu nerveuse? Ben là, oui. Là, en plus, je me fais interfouiller. J'essaie de gérer mon stress. Look on to
Salut! Allô. Finalement, est-ce que ça s'est bien passé? Bien été! Super! OK, ton stress, c'est-tu mais... parti ou... Ouais, ouais, mais juste le problème, c'est que ma poignée de porte l'a revolée dans la salle. Ah ouais? J'espère que ça n'a pas gêné personne, quoi. Je me sens mal. Combien de temps que vous êtes impliqué là-dedans? Bien, mon implication dans le secondaire en spectacle, c'est ma quatrième année et c'est la deuxième année que j'assume un rôle de direction artistique. L'année dernière, j'étais à Shawinigan. Cette année, je suis à Trois-Rivières. OK.
la différence, puis qu'est-ce qu'il y a de similaire entre un show comme ce soir puis un show un peu plus professionnel, comme on dirait? Bon, je veux dire, la grande différence, c'est que ce soir, on a des spectacles, un spectacle qui est composé de 17 numéros différents qui impliquent des, comment dirais-je, excusez-moi les anglicismes, des setups techniques différents, avec où on varie de la musique, l'expression corporelle, alors que la plupart du temps, un spectacle professionnel, vous allez avoir un contenu plus... avec plus d'unité, ce sera un artiste ou des artistes qui vont œuvrer dans un domaine avec normalement, une mise en scène, une scénographie et pas 17 scénographies différentes. Monsieur Cadarette, qu'est-ce qui vous allume dans un spectacle, puis les jeunes ce soir? Bien, c'est effectivement de voir les yeux des jeunes lorsqu'ils sont en train de faire leur prestation. Après leur prestation, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie. Ces jeunes-là exploitent des talents qui, souvent, n'ont pas d'autre façon d'être exploités que par les arts de la scène. Donc, c'est ce qui me fait être encore enthousiaste, comme au premier jour, par rapport à ce spectacle-là. Un peu plus haut. Un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras, mais tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras, mais tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut et je suis là. Là aussi, je ne tombe pas. Non, j'y suis, je ne tombe pas. Un peu plus loin, un peu plus seul. Je ne veux pas être loin tout seul. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter. Comment descendre sans tomber. Un peu plus loin. Un peu plus fort. Encore un saut, essaie encore. Je voudrais te tendre les bras. Je suis trop, tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai. Si je redescends sans. Un peu plus loin, je veux aller encore plus loin. Peut-être bien qu'un peu plus haut, je trouverai d'autres chemins. C'est bon.
Merci. Sur une terre d'emprise régnée jusqu'aux racines de liberté. J'aspire en la vie son restant nostalgique. Le pays est imprégné d'une violente culture. Suivant les traces de mes ancêtres, je fais partie d'une perpétuelle cruauté que subissent les jeunes filles de ma génération. Noir comme la cendre de mes souffrances. Coule en moi un fleuve rouge transportant une grande honte, se transformant en continuelle intimité. Entendez-vous ce que vous crie mon cœur? Il est là, reposant en famine, entre deux eaux bien asséchées de graisse, sensible aux moindres attentions. Vivant neuf années misérables dans une famille croyante au Coran. Une mère qui me ment sans cesse, me faisant croire que cette mystérieuse pièce renfermerait une hallucinante fête étalant une multitude de surprises. Portant une jolie robe achetée pour l'occasion, une grande paix m'envahit soudainement. Mais ce cruel mensonge cachant un pur massacre si atroce que j'en ai encore des frissons qui me longent, qui me parcourent le corps en quête de peur, une peur grandissante en moi, dominée par ma pitoyable vie. Une force puissante envahit de jouissance l'esprit de l'exciseuse démoniaque. Cette pierre me tranchant un morceau corpulent, imbibé de jeunesse, la seule joie qui me reste dans l'âme. Comme si j'étais un animal prêt abattu sur le champ. Mon poing s'enfonce doucement dans ma gorge meurtrie par le temps. J'avale ma douleur, enterrant le cri d'espoir incompris. Le mal m'anéantit l'intérieur. Libérez-moi! 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 Tout cet illégal enfer, une incroyable injustice. Bonjour, vous êtes la maman d'Isabelle. Oui! Qu'est-ce que ça fait de voir sa fille monter si haut puis arriver là, là? Ah bien, je suis très, très fière d'elle. Elle travaille fort et puis ça m'excite beaucoup de voir comment elle incarne ce personnage-là, qu'elle a réalisé elle-même, là. C'est très touchant et puis je suis comme toute prise par ce qu'elle raconte aussi. Je trouve que c'est la cause des enfants là-bas, des enfants, des jeunes filles. Alors je trouve qu'elle remet en perspective une cause sociale qui de nos jours est là, mais n'est pas du tout soulignée dans notre société québécoise. Comblée d'intensité, un feu me brûle dedans. La fleur nacrée du malheur me transperce le cœur. Moi, fillette, ou plutôt sexe ignoré. La soneke, cette horrible tradition africaine, marque mon inconsciente existence. L'esprit douloureuse, suspendu à mes lèvres, oublie de mon identité. Une plaie constante de chair mutilée. Et c'est qu'une douleur meurtrière au ventre me hante de l'aube au crépuscule.
demandais, c'est quoi que ça fait? Vous avez fait votre show régional, puis là, vous êtes rendu au Pan québécois. C'est quoi la différence, vu que là, il n'y a plus pantoute de compétition? Non, là, ça doit faire un stress de moins. Ben non, moi, je trouve pas, là. C'est autre, c'est... On sait qu'il y a plein de monde, fait que le stress, il embarque pareil. Alors, je profite de la pause pour aller me rafraîchir, puis on vous revient dans deux minutes. Salut, ma déesse totale. Salut.
On s'est pas déjà vu en quelque part, toi pis moi? Ben oui, c'est pour ça que j'y vois plus. Oups! En quoi ça consiste à être animatrice de ce spectacle? C'est pas vraiment compliqué. En chaque numéro, on fait un petit sketch pour divertir la salle puis permettre d'annoncer les prochains numéros. 27e édition de Star Academy, j'appelle le candidat 4092. Les plus beaux jours de mes ans. Qu'est-ce que ça fait pour toi d'être animateur? Qu'est-ce que ça représente? Ben, le fait d'être animateur ici, c'est plus spécial parce que il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde comme qui était en nomination, si on veut, ou qui avait vraiment gros de choix. Fait que ça, c'est vraiment... c'est gratifiant, disons. Je vais te le montrer. Je vais même t'inviter au cinéma demain. Tu es prêt à noir avec moi? Non. Ben, je peux t'inviter au restaurant d'abord. Pour me suivre, pour pouvoir abuser de moi après? Non. Ben, on peut aller jouer au bowling. Coudonc, on se prête avec moi pour voir plus de boules. Bon. Toi, pour te rendre ici, qu'est-ce qui est arrivé le processus? On a passé une audition à l'école. On l'a réussi. Fait qu'on a animé notre local régional, notre local à l'école. Après ça, ils ont envoyé notre cassette show pour la régionale. On a passé la régionale, puis on est rendu ici. Docteur, est-ce que vous avez le résultat des tests? Oui, mais un petit problème s'impose, Shannon. Le père de votre enfant pourrait tout aussi bien être Brandon, Brian, moi-même. Mais quelle traînée! Qu'est-ce qu'il y a de plus dur en étant qu'animateur, en tant qu'animateur? C'est l'adaptation des fois de dernière minute, parce que des fois, il y a des choses qu'il faut qu'ils changent ou qu'on rajoute, qu'on enlève, qu'on modifie un numéro vite. Fait que ça, des fois, c'est ce qui devrait être le plus difficile, si on veut. B4, I18. Oh, 74! Mon Dieu, mon petit Robin! Penses-tu que la préposée voudrait nous tendre un piège et contrôler le monde avec ses codes secrets? Franchement, Batman, ça fait 35 ans que tous les super-vilains de Gotham City sont soit en prison, soit au cimetière. Il ne reste plus que ce vieux débris de sphinx. Bon, tout le monde, sortez votre dentier, c'est l'heure de manger votre nourriture pré-mâchée. Allez, Robin, ma petite merveille masquée, sortez mon bat. Mon bat dentier, Robin. Mais ce n'est pas moi qui l'ai. Mais c'est évident, Robin. C'est cette crapule qui me l'a volée pour fabriquer une arme afin de contrôler le monde. Mais quel plan monstrueux. Allons le récupérer. Batman, ça suffit, là. C'est la 5e fois cette semaine. Où est encore passé votre dentier? Ah, ben, c'était pas moi qui l'ai promis. Vous le serez la semaine prochaine, au même bat-poste, à la même batteur. Une chance que je t'ai. Tu m'appelles ma petite louve avec ta petite voix. Tu penses mes bleus, tu tues tous mes papillons noirs. Tu fais des boules de lumière avec tes petites voix. Très grande, pas très forte, mais que personne vienne te faire la peine sans d'abord me passer sur le corps. Fie-toi sur moi, mon bon chat, t'auras jamais peur. Je meurs.
Finalement, comment ça a été? C'était fort. C'était vraiment fort. On a vu le public a réagi, là, c'était fou. Ils se sont vite debout, là, je suis contente, pour de vrai. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Que vous êtes surpris d'être rendu ici ou vous l'espériez vraiment puis vous vouliez vous rendre ici? Bien, on s'est même pas inscrit nous-mêmes à secondaire en spectacle. On s'était dit, bah, on réussirait jamais. Puis là, finalement, on a été accepté au local. Puis on a trouvé ça bien drôle. Ensuite, on a été accepté au régional. On a trouvé ça encore plus drôle. Puis là, on est rendu ici puis on trouve ça encore plus drôle. Thank you.
T'es rendu au Pan québécois, qu'est-ce que ça fait maintenant? Ben c'est une nouvelle expérience pour moi, je suis vraiment content, c'est vraiment excitant, c'est vraiment trippant, la salle a l'air vraiment écœurante, j'ai vraiment hâte d'aller rentrer dedans. La différence entre ce soir puis ton show régional puis ton show local, c'est quoi la différence? Ben la différence, c'est que je pourrais dire que mon fan club il est pas là. Malheureusement, mon fan club de l'école il est pas là, mais c'est une grosse place quand même, il y a beaucoup de gens, ça met du stress, mais faut vivre avec là. Okay. Belle expérience dans le fond. Oh, ouais. Félicitations puis bonne chance. Merci, merci. À quoi ça consiste votre rôle pour le Pan québécois ici? Là? Bien, c'est que nous, on est ici pour s'occuper des premiers soins tout le long de la fin de semaine, pour s'assurer que tous les jeunes vont être en santé, que personne qui va négliger sa santé, malgré que c'est quand même assez gros le Pan québécois, pour s'assurer que tout le monde va être debout et capable de faire ce qu'il a à faire et de faire la run. Fait qu'on est ici vraiment là, pour les premiers soins. Okay. Avez-vous déjà vu des cas qui est arrivé de quoi, que ça avait mal tourné? Ou? Non, en temps normal, tout se passe bien. C'est souvent là, plus des petites blessures mineures, là, des entorses, des foulures, des petits plasters à gauche et à droite. Jamais eu gros bobo. On touche du bois pour que ça continue. Tous les jeunes, tous les accompagnateurs, les parents, ils sont tous conscientisés. Ils font très attention, ils prennent soin d'eux. Fait qu'on se croise les doigts que tout continue à bien aller. Un mousseur jumeau.
rien, mais qui es-tu? Tu es mon plus grand mystère, mon lien contigu. Tu m'enrubanes et m'embryonnes, et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu, celle qui fait de toi mon autre, l'être reconnu. Il n'y a rien à comprendre, et que passe l'intrus qui n'en pourra rien d'attendre, car je suis seul à les entendre, les silences et quand.
Vous êtes fière de votre prestation? Ouais. Comment ça a été en gros, là? Oh, c'était bon. La foule, ça a réagi. C'est fou, hein? Ouais, c'était fou, la foule. C'est vraiment fraîche. C'est quoi que vous prévoyez à venir? Continuer puis aller plus loin. Ah ouais, vous voulez continuer? Puis j'imagine que c'est d'être synchronisé qui est le plus dur dans ce numéro-là. Hein? Comment vous faites pour vous repérer? Oh, la pratique. La pratique, ça fait combien de temps que vous pratiquez? Ça fait 2 ans. Ça, c'était pas ça, moi. Ah ouais? Bien, félicitations, puis merci beaucoup. Merci beaucoup. Saskatchewan, tu m'as pris ma femme. Qu'est-ce que tu fais? Mais là, je veux de la guitare. Mais c'est comme ma guitare, puis mon show est dans 2 minutes. Dans 2 minutes? Ouais, deux minutes, c'est parfait, ça nous donne le temps d'aller à la pause. Bon, salut les gars! Ma soirée de Power commence dans une demi-heure. Bye là, pas trop de niaiseries. Non. Bye chérie. Ben non. Bon, enfin, il est parti! Je pensais qu'elle partirait jamais. Bon, les gars, avez-vous amené les cocombes, les masques d'argile? Je les ai. Moi, j'ai les barres énergisantes. J'ai même amené un petit supplément. Non. Ben là, c'est une partie de hockey, c'est bien push. C'est bien trop violent, on va pas écouter ça, là. Ben non, voyons, j'ai écrit ça au cas que ta blonde revienne, en fait. C'est des émissions enregistrées de... Non. Oui, La Fureur, avec Mamie n'a peur. Non. Oui, Sébastien Benoît. Enfin, un modèle métrosexuel qui s'assume. Vous nous jouez du violon. On connaît la chanson. On s'est chanté, on s'est tapé du pied à la fureur. Vous allez perdre la face, perdre la face. La fureur est assise à votre place. Vous allez perdre la face. Ben là, attends un peu, Jean-Mi. La chanson a arrêté, c'est pas tout de suite. C'est pas trop vrai. Non, mais les gars. Honnêtement, là, qu'est-ce que vous en pensez de ma nouvelle coupe au feeling? Ah, oh, c'est cool, ton styliste. Ah, oh, wow! Ouais. Moi, j'ai pensé me faire une permanente, justement. Là. Ah, oui? Oui. Oh, c'est bon, ça. Hey, les gars! Savez-vous quoi? Quoi? On peut passer un test dans la revue métrosexuelle d'aujourd'hui, j'ai trouvé ça. Ça s'appelle « Es-tu jaloux? » Check! Ah ouais, je m'en souviens. La question numéro 1 était « Si un mec s'approche de ta chicks, comment réagis-tu? » Ça dépend s'il y a des mèches. Moi, je dirais que ça dépend de la chemise à carreaux. Ça dépend s'il y a des bas blancs aussi, ouais. Oh non, la fureur est déjà finie. Oh zut! Hey, c'est qui vous avez trouvé les meilleurs, vous autres, cette semaine? Les gars ou bien les filles? Ben voyons donc. Sébastien Benoît! Ben oui, ses dents sont tellement blanches. Mais hein! OK, bon, vas-tu désennuyer en écoutant Star Academy sur Internet? Oh oui, j'ai tellement hâte de voir la nouvelle coupe de cheveux de Stéphane. Oh cool! Salut les gars! Shit, pas elle. Ah, elle est déjà rentrée, chérie. Hein? Ben ouais, passez une belle soirée. Ben oui, ben oui, la game vient juste de finir, là. Ah ouais? Qui a gagné? Les filles. Ta boîte! Ben voyons donc, chérie, franchement, t'y connais pas, là. Ouais, c'est des affaires de gars, ça. Pis nous autres, on est des vrais. We'll be right back.
Quelle sorte de show tu fais à soir? Ben, c'est un numéro de batterie seul. Je vais être tout seul sur le stage. Okay. Puis je vais jouer des tunes un à suite de l'autre, comme un petit mix. Okay. Puis entre chaque tune, j'arrache un morceau de mon linge qui va fitter avec le reste des tunes. Okay. C'est quoi qui est le plus dur à faire dans ce numéro-là? Réadapter mon drum sur ce drum-là. Okay. Parce que c'est pas le tien. Non. Okay. C'est vraiment pas le mien du tout. Okay. Je te souhaite bonne chance puis félicitations. Ben, merci beaucoup.
est-ce que vous pensiez vous rendre jusque-là? Pas du tout. Non, mais c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu. Puis on se disait que peut-être que ça allait mal passer au local surtout, mais ça a été vraiment bien apprécié. Puis maintenant qu'au régional, ça allait passer, qu'on se rende ici, ben, je crois qu'on est vraiment fiers de l'impact que ça a eu. Okay. C'est quoi qu'il y a de plus dur à faire dans votre spectacle, dans votre numéro? Peut-être le acting qu'on doit faire. On doit beaucoup exagérer ce qu'on fait. Okay. Tantôt que l'effet de la compétition, il n'y a plus de compétition rendue au pan québécois. T'aimes vraiment ça? Tu trouves que le concept, c'est bon? Bien, je trouve qu'enfin, ça devient ce que ça doit être. Tu sais, tu comprends? Parce que selon moi, c'est de l'art, tu sais, puis t'as pas à mettre de l'art en compétition. On peut jouer à qui court le plus vite, puis tu peux gagner une médaille, mais moi, quand quelqu'un chante, on dirait, comment juger des émotions? Tu sais, oui, il peut avoir un système de pointage, mais à un moment donné, c'est le fun qu'on se décroche de ça et qu'on revienne aux vraies choses. C'est-à-dire le pourquoi de la chanson, le pourquoi de la danse, le pourquoi de l'humour, tu sais. Puis se reconnecter à ça. C'est là que le public apprécie, c'est là que l'artiste a du plaisir à le faire, tu sais. Je suis bien d'accord avec toi. Merci beaucoup, puis bonne soirée. Salut, ciao. Dans un monde superficiel, tout est faux, rien n'est réel. L'argent domine notre mental, mène à des actes illégaux. Cette substance est pire que de la drogue et peut contrôler par les psychologues. Une fois qu'on est atteint, il manque plus qu'à prier Dieu pour nous ramener dans le droit chemin. Ce que nous pouvons faire de mieux, pensez-y, on est tous des esclaves, les esclaves de l'argent. Tellement que les gens savent, pour en avoir, faut être prêt à sacrifier des gens. J'irais même jusqu'à dire la famille, t'affirmes ne pas faire partie de la vague et je te répondrai avec rage. J'irai même jusqu'à dire ta famille. On travaille pour travailler, on vit pour mourir, mais qu'est-ce que la liberté? Pouvez-vous me le dire? On frappe pour se faire frapper, on trahit pour se faire trahir. Comment avoir confiance s'il faut toujours s'attendre au pire? Qu'est-ce qu'un artiste, celui qui n'existe pas son art? Qu'est-ce qu'un chanteur? Que de l'argent et du bonheur. Qu'est-ce qu'un humain? Change du plastique et on est bien. Et le cœur, que trop noir, soit profond, soit profondeur. L'homme veut la femme parfaite, la femme veut l'homme parfait. Mais qu'est-ce que la beauté si on n'est que poussière? Cette phrase je n'ai pas inventée, elle a été dite par notre père. Mais qu'est-ce que l'intelligence si tout le monde vit dans l'ignorance? Mais qu'est-ce que la richesse si on doit perdre tout le reste? Imbécilité qui rejette terre assurée, dominée par des moutons café gourmet yuna. L'autre, pourquoi la perfection si toi-même t'es une abomination? Qu'est-ce qu'un artiste, celui qui n'existe pas ton art? Qu'est-ce qu'un chanteur? De l'argent et du bonheur. Qu'est-ce qu'un humain? Change de plastique et on est bien. Et le cœur, qu'un trou noir sans profond, sans profondeur. Qu'est-ce qu'un artiste, celui qui n'existe pas son art? Qu'est-ce qu'un chanteur? De l'argent et du bonheur. Qu'est-ce qu'un humain? Change de plastique et on est bien. Et le cœur, qu'un trou noir sans profond, sans profond. Toujours la même histoire, les gens écrasent les gens au point de croire qu'en appliquant cette tactique, ils auront la victoire. Blanc, vicieux, noir, il faudrait voir. Discrimination toujours, matin et soir. Injustice, j'attends que cette différence abolisse. Ça reste un risque, car ces marches ou crèvent sur cette piste. Les derniers qui s'en mêleront seront les prochains sur la liste. Les prochains sur la liste, les prochains sur la liste. What? Qu'est-ce qu'un artiste, celui qui n'existe pas son art? Qu'est-ce qu'un chanteur? Qu'est-ce qu'un humain, chirurgie plastique et on est bien. Et le cœur, que trou noir sans profond. Qu'est-ce qu'un humain, changer plastique et on est bien. Et le cœur, quand on noie, ça profond, ça profond. Here we go now, money cat, MC, yeah, B-U-G's.
Alors, c'est malheureusement déjà tout pour le spectacle. Mais ton bec silence, Anne-Marie. Ce n'est que l'entracte. Ah oui, c'est vrai. Alors, vous avez 15 minutes pour vous dégourdir les jambes. Pour vous rafraîchir. On se revoit dans 15 minutes. Alors, on profite de l'entracte pour faire une pause de 2 minutes. On revient tout de suite après. C'est la gang de la Saskatchewan. Hi, you come from Saskatchewan. It's so far from here. On parle français, là. Ah, oh, vous parlez français? Ben oui, okay. On parle français. Est-ce que vous connaissez ça, cette tune-là? Je me noie. Oh non! Il est beaucoup trop loin! Oups! Tenez, attrapez cette bouée! Oups! Que se passe-t-il, Jessica? Je vous ai entendu crier! Jim! Attention! Un requin! Occupez-vous de la victime, Jessica! Je vais te tuer, ce requin! Jim! Ouais! Jim! Ouais! Bravo, Jim! Il est mort! Whoops! Pour vous punir, Jessica, accompagnez-moi dans les buissons. Oh non!
shit. Pop. Six. Squish. Ah ah. Scissor. Lip shit. Mais avec, il faisait un pop. Alors, je suis rentrée un bon jour du travail. J'étais très fatiguée, très irritée. Et j'ai vu Bernie évacher sur le canapé, en train de mâcher chewing-gum. Mais avec, il a fait un pop. Alors, je lui ai dit, Bernie, ce boom était insupportable. Tu le fais encore une autre fois et il a fait. Je suis donc allée chercher le fusil de chasseur du mur et j'ai tiré deux coups de semonce. Dans sa petite tête. Parents, c'est en quoi ça consiste? Vous supportez beaucoup votre fille, mais y a-t-il une aide particulière que vous y apportez? Ou? Ça consiste à aller la reconduire 2, 3, 4 fois par semaine. Et, l'entendre chanter beaucoup à la maison. Elle pratique beaucoup à la maison? Oui, oui, elle pratique beaucoup à la maison. Puis on fait son audience, là. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur pour toi à faire dans ce spectacle-là? Bien, qu'est-ce qui était le plus dur pour moi avant, c'était la compétition. Parce que je suis pas une fille qui aime la compétition, mais qu'est-ce qui est le plus dur pour moi, c'est peut-être le stress, là. Ouais. Mais c'est ça, le jeu, c'est ça. Si t'as pas de stress, tu peux pas y aller. Ben ouais. Puis en un mot, comment tu décrirais ta prestation de ce soir? Un mot. Faut que tu me laisses réfléchir, là. Amusant. Amusant. C'est amusant. Je dirais époustouflante. Époustouflante, merci. Merci beaucoup. C'est salut. We'll be right back.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes combien? Quatre? On est quatre. OK. Ben, félicitations premièrement pour ce que vous venez de faire. Merci. Puis je me demandais, c'est quoi qui est le plus dur à faire dans un numéro comme celui-là? Attraper le chapeau. Attraper le chapeau à la fin, là, c'est l'affaire qu'on a eu le plus garder la misère. Ouais, aussi. Avoir assez de souffle. D'être rendu au Pan québécois, qu'est-ce que ça fait pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Bien, en fait, c'est notre dernière année. C'était vraiment, vraiment important pour nous. Pour la plupart, c'est notre deuxième année ici. Puis c'était vraiment quelque chose qui était significatif parce qu'on aime beaucoup la danse. Donc, on voulait à tout prix se rendre ici. Puis on est vraiment heureuses. Cette relation fut au départ hâtive. Sans même se connaître, nous étions maintenant deux. Dans cet amour naissant. Au départ, si puissant qu'il en est devenu obsédant. Tu me semblais pourtant si parfait, mes chimères n'étant que mirage. L'intensité de ton amour devint extrême et bien trop lourd. Tes mots qui transperçaient la tendresse devint insidieux et incessant. Face à tous tes gestes de plus en plus inquiétants, je sentais mon corps impuissant. J'étais prise dans cet embûche.
cacher des mains ma destinée. Oh, oh, oh. Retrouver ma joie de vivre, regagner ma liberté. Tu as eu le dessus sur moi, mais plus personne ne le prendra. Tu m'as enlevé ma dignité, j'aurai la force de la retrouver. J'y ai laissé une partie de moi, je ne peux le cacher. Tout ce que je souhaite, c'est de ne plus laisser l'amour m'aveugler. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Gauthier. Vous, votre rôle pour le Pan québécois, c'est quoi? Je suis président provincial des unités régionales de loisirs et de sport. Donc, c'est nous qui sommes un peu à la base de ces activités qui ont commencé il y a déjà 6 ans. OK. Puis, le 6e rendez-vous pan-québécois, qu'est-ce que ça représente pour vous personnellement? Pour moi personnellement, c'est extraordinaire parce que c'est la finale, la grande finale de tous les efforts que nos jeunes ont faits dans chacune de leurs régions. Si vous saviez comme eux sont heureux actuellement, et pour nous autres, ben c'est un peu nos enfants. Donc ce soir là, on va les voir. Demain soir, on va les voir encore. Et hier soir, ben c'était vraiment extraordinaire. Si vous avez vu là, c'était des jeunes qui venaient là. Ils étaient quasiment au 7e ciel. Puis pour l'année prochaine, à quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre à ce que ça se poursuive. Je dois vous dire qu'actuellement, nous sommes en négociation avec le gouvernement du Québec et les 4 ministères concernés sont ouverts à ce que ça se poursuive, mais on ne peut pas garantir que tout est fait, mais ça va très bien. Les négociations se poursuivent très, très bien.
Guillaume? Oui. Salut. Salut. Ça a été comme tu voulais? Oui. Et même mieux, moi, je dirais. Même mieux. On a un public qui est en feu. C'est merveilleux. Okay. Je regardais puis je me disais, plus tard, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Ça. Ouais. Ouais. Okay. Je veux pas bouger de ça. C'est décidé. Hein? C'est décidé. OK. Ben, je te souhaite bonne chance puis que tout ce que tu veux se réalise. Que tu... Ben, merci beaucoup. Salut. Si j'ai tout le temps un public de même, moi, pas de problème. Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser, tu sais. Nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Ouh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier parce qu'on vient de loin. Quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. C'était la dernière. Lorsqu'on ne vit que sur des prières, moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Chaque jour comme le dernier. Vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier parce qu'on vient de loin. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire, mes chers. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Oh, alors on vit chaque jour comme le dernier parce qu'on vient de loin. Chaque jour comme le dernier. Ba-da-ba-ba. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez les lauréats ainsi que tout le public à chanter la chanson encore une fois de Marie-Hélène Thibert et Boom Desjardins qui nous rappelle que nous ensemble ce soir sommes là pour célébrer les arts de la scène au 6e rendez-vous Pan québécois, le secondaire spectacle. J'ai toujours été blessée par tout ce
me toucher, je ne parle plus, je ne fais que passer. J'avais pourtant cru que ce serait facile, comme tous ceux qui semblaient si fragiles. J'avance, moi, que je ne recule, je ne comprends plus mes habitudes. Tout ce je n'y arrive pas, viens me chercher si c'est vrai que c'est toi. Je suis déjà passé par ce chemin, laisse-toi aller, prends-moi la main. Arrive même à trouver ça normal. J'ai souvent eu peur, moi aussi. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'événement de secondaire en spectacle ainsi que du Pan québécois pour l'année 2005. Si vous n'êtes pas capable d'attendre jusqu'en 2006 pour la prochaine édition, je vous suggère d'avoir gratuitement toutes les finales à la vidéo sur demande du service numérique Cogeco. Pour l'instant, je vais me joindre à eux autres pour la chanson de la fin. Encore une fois.